Bonjour, je suis Vincent, chef de produit Vokero. Nous allons aborder la mise en route des fonctionnalités de base de votre kit Vokero Guardian, Alpha ou Optimum. La composition de votre valise Vokero Alpha est la suivante. 4 terminaux radio mobiles Guardian, 4 casques Peltor avec écoute active, avec des mousses de rechange, un configurateur chargeur, 4 batteries de rechange pour les terminaux radio Guardian, une valise rigide pour transporter tout dans un seul élément, un guide de déploiement rapide, un guide d'utilisation générale. Si vous possédez une valise Vokero Optimum, vous disposerez en supplément de 4 casques intra-auriculaires avec des embouts de rechange et un haut-parleur avec microphone. Tout d'abord, je branche le chargeur configurateur muni de ses éventuelles extensions à une prise de courant et j'installe mes terminaux Guardian. Les LED, passant du rouge orange au vert, m'indiquent que les produits sont en charge. Vos terminaux apparaissent sur le configurateur en clignotant en orange ou en vert. Vous pouvez désormais lancer une configuration rapide pour appairer les produits en cliquant sur l'image ici en bas à gauche. Si vous êtes plus de 4 utilisateurs, vous devez entrer dans le menu système du configurateur et vérifier que l'option cryptage est bien en clé fixe. Cela vous permet d'appairer vos terminaux dans une seule et même conférence audio à chaque configuration rapide. Il faut donc placer les terminaux que vous souhaitez ajouter à la conférence sur le configurateur. Vous pouvez lancer une configuration rapide pour appairer les produits en cliquant sur l'image en bas à gauche. Il ne faut surtout pas placer de terminal sur la première position du configurateur. En effet, lors d'une configuration rapide, le terminal inséré en première position sur le configurateur se voit attribuer le rôle maître. Il ne peut ni avoir qu'un seul et unique terminal maître dans la conférence pour le bon fonctionnement de l'audio. Le rôle du maître est spécifique car il synchronise les communications. Ainsi, idéalement, l'utilisateur du terminal maître ne doit pas s'isoler des autres utilisateurs. Le maître est identifiable sur l'écran LCD du terminal par l'icône M1. Ensuite, vous pouvez brancher votre accessoire micro-casque ici. L'accessoire et le terminal disposent tous deux d'une marque rouge que vous devez insérer bien en face pour assurer une parfaite connexion. Pour démarrer votre casque Peltor, après avoir inséré les piles, il est nécessaire de faire un appui long sur le bouton Power. Un bip d'allumage se fait entendre dans le casque. Vous pouvez régler le niveau sonore des bruits perçus autour de vous grâce au bouton plus et moins. Sans aucune manipulation pendant 2 heures, le casque s'éteint. Il faut appuyer sur un des boutons pour le maintenir allumé. Tous les 6 mois environ, il vous faudra changer les piles. Un message vocal vous indiquera que les piles sont en fin de vie lors de son utilisation. Si vous êtes équipé d'un micro-casque intra-auriculaire, il se branche de la même façon en alignant les 2 marques rouges. Ce micro-casque n'est pas un EPI, mais il a été spécifiquement développé pour les tenues ventilées ou le port de masques respiratoires. Ce micro-casque est constitué d'un haut-parleur d'un côté et d'un microphone de l'autre. Il capte le son de votre voix à l'intérieur de votre conduit auditif. Ce type de micro-casque ne protège pas des bruits ambiants. Il est cependant assez sensible et peut capter les voix environnantes de vos collègues si vous êtes assez proche. Si vous avez de l'écho, n'hésitez pas à vous écarter un minimum. Le micro haut-parleur est bien utile si vous travaillez en milieu peu bruyant et où le port du casque n'est pas nécessaire. Sur cet accessoire, il vous sera nécessaire d'appuyer sur le bouton pour parler. Il est impératif de le relâcher dès que vous avez fini de parler. Cet accessoire dispose de 2 switches que vous pouvez toujours garder vers le haut, cela permet un volume de sortie élevé. Le micro haut-parleur doit être chargé toutes les 12 heures au moyen du câble USB fourni. Faites-le charger en même temps que vos terminaux Radio Guardian. Vous êtes fin prêt à utiliser vos terminaux. Par défaut, votre terminal Radio Guardian est en micro ouvert en permanence. Vous avez la possibilité de couper votre micro en appuyant sur le bouton central du Guardian. Pour réactiver votre micro, vous devez appuyer de nouveau. Pour finir, voici quelques conseils pour manipuler votre terminal. Si vous souhaitez enlever la batterie, il vous suffit d'abaisser le clip de blocage ici et faire glisser la batterie vers le bas. Pour la remettre, glissez jusqu'à entendre le clip de verrouillage. L'étiquette de la batterie ne doit pas être face à vous. Pour retirer votre accessoire, attention de ne pas tirer sur le câble ou faire pivoter l'accessoire. Vous devez saisir la bague ici et tirer. Un guide de déploiement rapide résumant cette vidéo est inclus dans votre kit. Pour accéder aux différents réglages et fonctionnalités avancées disponibles sur vos terminaux, vous pouvez vous référer au mode d'emploi inclus dans votre valise également.
Le mode groupe est bien utile si plusieurs opérateurs d'une équipe sont amenés à travailler ensemble et qu'il y a donc des besoins de communication distincts au sein d'une même équipe ou d'un même site. Cela permet de mettre en place des discussions séparées avec la possibilité de basculer d'un groupe de discussion à un autre ou même de parler à tous les groupes en même temps. Je démarre le chargeur configurateur Guardian et j'accède au menu système via la roue crantée, puis au mode groupe configuré de base en standard et que j'active. Le chargeur configurateur m'invite ensuite à choisir un canal de communication. Nous prenons EU1 par exemple et nous validons. Vous pouvez vous référer aux restrictions d'usage des différents canaux en début du mode d'emploi. Voilà, les produits sont appairés, ils fonctionnent désormais en mode groupe. À la première utilisation, tous les produits sont configurés dans le même groupe, le groupe 0. Par la suite, le choix du groupe doit se faire de manière individuelle sur chaque terminal au moyen de la gâchette channel en la poussant vers le haut ou vers le bas. Vous entendrez un bip sonore au changement de groupe. 4 groupes sont disponibles, de 1 à 4 par canal de communication. Les terminaux en groupe 1, 2, 3 ou 4 ne peuvent entendre et parler qu'avec les membres de leur propre groupe sur le canal de communication choisi à la configuration. Le groupe 0 est la réunion de tous les groupes disponibles. Il permet d'entendre et de parler avec tous les groupes. A noter qu'avec un seul chargeur configurateur, vous pouvez mettre en place le mode groupe sur chacun des 13 canaux de communication disponibles, ce qui vous offre la possibilité de constituer plusieurs dizaines de groupes de discussion.